nous partons sur l'idée du thème de renaître. Et vous allez devoir essayer de faire renaître cette expression qui circule dans la photo que vous avez devant vous. Donc là, il est 40, on va dire. À 50, il faut que votre portrait y soit terminé. J'ai choisi deux de mes amis à dessiner parce que je les connaissais. Du coup, ça me rassurait un peu à dessiner le fait de connaître les personnes et de savoir comment les décrire. Si j'avais pris une personnalité célèbre publique, je les connais pas. Donc à dessiner et faire retranscrire un caractère ou des émotions, je sais pas comment elles sont dans leur vie, etc. Donc c'était plus simple pour moi d'avoir mes amis. Du coup. C'est intéressant, c'est que quand on dessine quelque chose, surtout un visage, on perçoit différentes émotions qu'on ne percevait pas juste en regardant au premier coup d'œil un visage. Et au fil des dessins, on apprend à percevoir des traits qu'on n'avait pas forcément remarqués au début. Donc c'est une sorte de renaissance. Moi, j'ai essayé de dessiner de manière différente de d'habitude. Mais toujours avec la même énergie que j'essaie de mettre dans mes dessins. Et de pas forcément faire trop attention aux proportions et à l'exactitude des traits. Là, pour le coup, c'est renaître d'une manière plastique, dans le sens où on va, dans un premier temps, lorsqu'on regarde une personne, on peut capter différentes émotions, différentes choses. Qu'est-ce que tu cherchais quand tu es en train de dessiner? Je sens que tu es en train de chercher. Chaque nouveau dessin, il faut réapprendre à dessiner un portrait qui est tout le temps le même et avec des techniques du coup différentes. Et ouais, je dirais que ce serait ça pour moi, renaître. J'ai cette sensation qu'ils ont compris qu'un portrait, une personne, c'est une expression, une personnalité, une atmosphère et une énergie vivante. C'est hyper intéressant parce que ça nous aide à lâcher un peu sur la technique et tout et faire plus dans l'impulsion. À partir de rien, créer quelque chose et apprendre petit à petit dans l'élan. Il y a une expression intéressante qui s'en dégage. De la ligne. Très beau travail au fusain, là, avec plein de subtilités, des lignes épaisses et des lignes fines. Ça, avec des lignes très fines, le contraste en fait des deux est très intéressant. Ça peut être à réutiliser dans d'autres dessins, c'est très bien.